Pour l'autre bébé, ben, je lui dirais qui était son papa, amour personnifié, quelqu'un qui l'aimait beaucoup, quelqu'un qui aimait beaucoup son pays, pour qu'elle sache que les parents sans papa, les grands papa, c'est mourir, papa, mourir. Bonjour tout le monde, comment vous êtes? Vanessa a trouvé que c'était une question qui était méritée une réponse. Donc, un fanatique, je dis à Mandel, comment il pourrait le faire pour l'expliquer à Léa, disparition papa. Mais Vanessa, elle a pris un petit temps pour te dire que c'est tout à fait normal, la belle vérité pour le dire, oui, effectivement, papa a mouru, mais genre de monde que papa a été, etc. Apparemment, tout, il a continué à suivre un thérapeute ensemble avec Léa, en façon qu'il est capable d'aider dans la ligne. Ça. Donc, ma vidéo, nous avons attendu. Façon que Vanessa lui-même te réponde fanatique ça. Et pas oublier ou même qui tombe sur chaîne pour la première fois, pas oublier like et share vidéo et abonner de façon pour capable toujours joindre style de contenu ça yo sur plateforme panoa. À la prochaine. Bonjour, j'ai trouvé que c'était une tellement belle question. Ben pour l'autre bébé, ben je lui dirais qui était son papa. Amour personnifié, quelqu'un qui l'aimait beaucoup, beaucoup et qui aimait sa sœur et son frère et sa maman. Quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. Je lui montrerai des photos de son papa, des vidéos de son papa. Et puis, je continuerai à travailler avec le thérapeute que Léa a pour elle aussi. Pour avoir leur conseil et pour pouvoir mieux l'aider. Pour qu'elle sache que les parents sans papa, les grands papa, c'est mourir, papa, mourir. Je lui montrerai des photos de son papa, des vidéos de son papa, et puis je continuerai à travailler avec le thérapeute que Léa a pour elle aussi, pour avoir leur conseil et pour pouvoir mieux l'aider. Pour qu'elle sache que les parents sans papa, les grands papa, c'est mourir, papa, mourir.